aquí también. Aquí lo veis también la vena. Alors je vais faire quelques aiguilles sur Esther. Vamos a hacer algunas agujas en ella. Je te donne pour nettoyer. Non, je ne peux pas. On nettoie complètement après. We will clean up later, but that's what we leave with those people. Marks, so they can see. Y vaut mieux que je porte mes lunettes. Mejor que lleva poner gafas. Donc vous voulez mettre une aiguille jamais comme ça. Comme ça. Porque en Canadá tiene que ponchar todo en el tubo. No se pueden tocar las agujas. En Canadá. ¿Sí? Sí. Aquí sí. ¿Qué point tu choisis? ¿Neuf? Neuf. Está pinchando nueve. Nada, ni shock, ni nada. No duele. Nada. Je vais les convaincre que c'est facile de faire ça. E intenta convenceros que es fácil de hacer estos puntos. 11. ¿Lo veis en la pantalla? Sí, muy bien. Flat. A flat. Esta sí ha entrado mucho, pero esta... Ahí sí. It's close to clear up, this one. It is. Yeah. It went is. Very... They, I but, did that but, really like small. Like. Hello. Ponéis un poco mejor. What is this one? This was 10. 10, eh? It's like gala gala. On fait du gala gala. We regulate everything, yeah? Or the caliban. No, yeah, I just want to show these important ones. Can I take them out now? No, no, no. Leave them in? Yes. ¿Estás bien? Sí. Te traeré un café. Sí, se low, too much low down. Bon. 9, 18, 18. Et 16. Il est 16 parce qu'il faut que je fasse attention à la jugulaire ici. Pour la pincher 16, hay que tener mucho cuidado con la vena jugular. First. Está bien. Pariente este, tú. On est très proche de la jugulaire. On est très proche de la jugulaire. Está muy cerca de la vena jugular. Mais il n'y a pas de problème parce que même si je mets une aiguille. No hay problema, aunque pone aguja dentro de la vena jugular. Seulement hématoma. Solo un hematoma. Y ahora cuando te hace apretar, ¿no te duele ni te molestan las agujas? Al ser pus y así, ¿verdad? Relaja tu cuello. Perpendicular. Sí. Cada vez que pedir que cada chaque fois tu veux poncturer, tu demandes les gens de pousser comme ça. Oui, ben je veux mes landmarks para marcar el. Sí. Quiere marcas anatómicas. Pero normalmente. Porque es muy importante dejar marcar el esternocleidomastoideo, por lo tanto hay que hacer contracción. En general, tu pico parte del monte. No. En general no pincha tantos puntos. Uno o dos. Y sí se puede montar. O
change de personne, peut-être c'est trop long chez elle. Non. Elle est OK. Alors, ça c'est la clavicule. Esta es la clavícula. Et ça c'est un centimètre. Un centimètre par encima. Elle doit traduire demain et après demain. Oui, oui, d'accord. Allez, j'enlève. J'enlève tout de suite. Non, dès que j'aurai fini ça, je vais prendre le début. Elle dit que tu dois traduire. Hein. Mañana y pasado de mañana. Así que... Ok. Regardez. Est-ce que c'est un estomac? Ça, esto es estómago 12. Vous voyez l'aiguille, elle va un peu vers le haut. Veis que la aguja se dirige ligeramente hacia arriba. Jamais comme ça. Nunca así, ¿eh? Jamais. Nunca. Ok, je vais enlever toutes les aiguilles. Sí. Algodón, dame un poco de algodón. Donnez-moi un peu de algodón. Toi d'accord, tu veux algodón? Non, non, ici tu as. J'ai un autre. J'ai un autre tube. Okay. Elle a un autre tube. Ça va, tu me donnes. Je vais pour marquer les points. L'angle de mandibulaire. Et l'angle de la mandibula. Et ça, c'est l'angle de C3. Aquí tenemos el C3. Non, C2. C2. C2, C2. C3. C3, ioide. Pain. Dolor. Pit. C4. C4. More. Mucho dolor. Je marque le point. Aquí ella indica el punto. Le plus douloureux. El punto más doloroso. Ça va? Non, ça va pas. Non, il y a un coton qui empêche. Bon, ça va, ça c'est pour... Bon, tu laisses cette aiguille, donne-moi. C'est ça que j'ai marqué. Si. Il faut faire sécher l'alcool pour ne pas que ça brûle. Ah, ahí que se cala l'alcool para que no quema, eh. Tu veux coton? Non. Perpendiculaire? Oui. Perpendiculaire. Crânial, la apófisis transversa. Transversa C4. Pero no encima de la transversa, por encima o por debajo. Tu es au-dessus de la apófisis transversa. What did you feel? Hein? Like electric shock? No, not electric. Pain. Et il demande si tu es au-dessus ou au-dessous de la apófisis transversa C4. Je ne sais pas. Je suis supposée être dans le trou là où le nerf sort. Se supone que está en el agujero donde sale el nervio. Normalmente es entre los dos. Sur la photo ici, on a l'impression que c'est plat. Antérieur, postérieur, mais en fait, cette aiguille est perpendiculaire. Nerve. Ok. Sí, ahora sí, hace sentido el nervio. Ok. Valiente, tía. On a quand même l'impression que c'est une aiguille plate. Sí, tenemos la impresión de que la aguja está en un. ¿Cómo se dice? Plano. Non, non, donc, en fait, ce n'est pas plat. Regardez. Ok? Je ne vais pas toucher. Bon, si vous venez un peu. Podéis hacer, pero no todos a la vez, uno a otro para ver. Porque la imagen refleja como si es en plano. Pero les gens peuvent toucher, se tomber dans la forme. Mais oui, oui. Mais pour la démonstration, c'est plus facile. Normalmente, mejor tombado. Porque puede. Por las referencias que vi antes, sí. El agua de la boca arriba, lateral, hacia atrás, como antes.